Salut les amis, bienvenue dans l'atelier. La bise aux abonnés et bienvenue à tous ceux qui viennent découvrir la chaîne. On est ici dans l'atelier, donc confinement oblige. Je vais pas dire que ça tombe bien, mais j'ai plein de trucs à bricoler dans le garage, donc je vais vous faire des vidéos. Et cette vidéo concerne un gabarit qui va permettre de faire des assemblages avec vis biaise. Alors, le principe va être de copier ce truc, voilà, qu'on appelle le système Craig. Alors c'est un objet très utile, c'est une des premières choses que j'ai acheté dans mon atelier qui m'a rendu beaucoup, beaucoup de services. Même si aujourd'hui pour les assemblages de meubles ou de caissons, j'utilise plus le lamello que la vis biaise, c'est quelque chose que j'utilise toujours, par exemple pour fixer mes étagères avec des fixations presque invisibles. Enfin, en tous les cas, cela dit, ça coûte très cher sur Amazon. De toute manière, je vous mets un lien, presque plus de 100 ou 150 euros. Et je pense qu'on va pouvoir s'en fabriquer un aujourd'hui, tout en CP, même peut-être un peu mieux que celui-là. Néanmoins, on est quand même obligé d'acheter ces petits forêts, là, que j'ai acheté sur Amazon. Alors, celui-là, c'est du diamètre 10. Et j'ai trouvé chez mon ferraillou un tube dans lequel le 10 rentre vraiment parfaitement sans jeu. Alors, ce tube, il fait... C'est du 14 à extérieur et 10 à l'intérieur. Donc ça, voilà, obligatoire de l'acheter. Alors peut-être pas forcément sur Amazon, mais bon, je doute que tu trouves ça dans le brico à côté de chez toi. Et puis un bout de tube en acier, donc c'est vraiment pas très cher. De toute manière, je vous mets les liens dans la description. Donc on va tout faire, des petits assemblages, bricolage, contreplaqué, je pense. Donc c'est parti, j'essaye de bricoler ça. De toute manière, je copie très clairement le truc Craig, hein. Je pense qu'ils vont pas me faire un procès. Et puis on voit ça dans la vidéo. C'est parti.
Et voilà, c'en est terminé pour cette petite bricole. Donc un gabarit à vis biaise. Donc j'ai testé, ça fonctionne pas mal, même franchement pas mal du tout. Peut-être que je peux y apporter quelques modifications dans le temps avec l'usage. Dans ce cas-là, ça pourra faire l'objet d'une nouvelle vidéo. Donc ça remplace le système Craig qui est vraiment très pratique, un des trucs que j'ai acheté dès le début. Ça vaut quand même pas loin de 150 euros. Je vous mets un petit lien dans la description. Donc ça c'est cool et puis c'est toujours sympa de fabriquer ces objets soi-même. Voilà, donc je filme mes projets pour partager avec vous, ce n'est pas comment vous devez faire, mais j'espère que ça peut vous inspirer, vous donner des idées, et je partage, voilà, ça reste un prototype, même si je me suis quand même inspiré de pas mal de vidéos que j'avais déjà vues auparavant sur le web. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, je remercie Ludo qui m'a fait ce petit dessin à la main que j'ai pu graver au laser. Je vous mets tout un tas de liens dans la description des produits que j'ai pu utiliser, notamment, ah oui, les forêts. Voilà le forêt, indispensable d'acheter évidemment le forêt qui va bien avec le petit tube en ferraille, parce qu'il faut pas qu'il y ait de jeu dedans. Donc moi j'ai trouvé celui-là, c'est du diamètre 8 et l'intérieur du tube en acier fait 8 aussi. Au final, j'ai soudé une petite rondelle ici. Bon, c'est pas très joli, hein, j'ai un peu honte de vous la montrer, mais c'est pour avoir ma butée de profondeur. Donc là, mon système, il est réglé et réglable, même si malgré tout ça a quand même ses limites. C'est surtout pour faire ce que je fais le plus souvent dans mon atelier, c'est-à-dire entre 20 et 22 mm. C'est bien adapté. Après, si c'est des morceaux vraiment plus grands, je vais avoir un problème de profondeur parce que mon forêt en longueur, il est vraiment limité. Donc là, il est réglable, mais on va dire qu'il est quasiment réglé fixe pour du 22 mm de profond. Vous pouvez, pour soutenir la chaîne, aller faire un petit tour sur Utip, acheter via les liens Amazon que je mets dans la description. C'est gratos pour vous et pour moi, ça rapporte quelques miettes. Je vous mets aussi un petit diaporama d'émaillé personnalisé ou pas que vous pouvez acheter sur Utip. Voilà, ça me soutient aussi. Je n'oublie pas de remercier aussi Alex de la chaîne YouTube Hayek Beatmaker. C'est une pépite, c'est une grande chance que j'ai. Merci à toi Alex, vous pouvez aller faire un lien sur sa chaîne. Je vous mets un lien dans la description. Si vous kiffez le son, vous vous abonnez, ça fait super plaisir de soutenir un artiste. Allez, portez-vous bien. Ciao, bye.